Hey matelot, ici Defroy. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser ce chalet moderne sur Minecraft. Et comme vous pouvez le voir, peut-être au travers des fenêtres, j'ai effectivement pour une fois, j'ai fait une partie de l'intérieur. Pas complètement l'intérieur non plus, il faut pas exagérer, mais oui, une partie de l'intérieur de ce chalet. Et regardez-moi ça, ce que ça donne en plus avec les shaders, c'est génial. Et on va aller voir ça de plus près au niveau de l'intérieur. Hop, comme vous voyez, j'aime bien mettre des grandes portes, toujours. Regardez ce que ça donne au niveau de l'ambiance, vraiment rustique chic, je pourrais dire. Avec ces grandes charpentes sous le toit, avec ces lustres, avec cette immense table. Voilà. Ça j'aime bien, les charpentes j'aime bien, je sais pas pourquoi, mais vraiment sur Minecraft, les charpentes en bois, je kiffe même les charpentes en bois dans la vraie vie, je dirais. Hein. Regardez, même à l'étage, cette pièce là aussi, effectivement, avec les grandes vitres qui font très moderne et en même temps la charpente en bois qui font très traditionnelle. Le mélange des deux, j'aime beaucoup, je dois bien vous l'avouer, j'avoue, j'aime beaucoup. Donc, pour ceux qui souhaiteraient faire cette maison là en tutoriel, on va commencer tout de suite en vous donnant... le nombre de blocs dont vous allez, j'arrive pas à fermer, voilà, dont vous allez avoir besoin. Je vous fais quand même, un petit fuite, le tour de la maison pour finir, voilà. Est-ce qu'elle est pas sympathique comme maison? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Ah, avec les montagnes en fond et tout ça, ça rend vraiment bien. J'aime bien. Bon, allez, on va commencer ça. En enlevant les shaders quand même, pour qu'on y voit plus clair. Hop. Ok, une fois qu'on a tout ça, je vais vous donner les dimensions pour réaliser le socle de la maison. On va commencer par la partie en pierre, hein, bien sûr. Youp ! Ici, alors j'ai mis un maximum de lanternes pour éclairer, hein, évidemment. Avec les petites... comment ça s'appelle ça ? Les lampadaires ? Aussi sur la terrasse, ça j'avais bien aimé comme astuce, comme petite idée. Alors, vous allez devoir réaliser... Alors la maison fait à peu près 75 sur 75 blocs de long, c'est à peu près ça, donc si jamais vous avez envie de mettre des dimensions pour la placer quelque part. Bref, voici le socle, je vais vous donner les dimensions tout de suite pour le réaliser, c'est en pierre d'andésite polie. Voilà. Hop, donc du coup ce que l'on va faire une fois qu'on a ça, on va monter les murs à 6 blocs de hauteur, hein, donc 2, 3, 4, 5, 6... comme ça, et on va les monter voilà, tout du long à 6 blocs. Ok. Une fois qu'on a monté nos murs à 6 blocs de hauteur, on va devoir changer le sol ici, on va changer, on va enlever l'herbe et on va mettre autre chose, et on va faire aussi la terrasse. Regardez, juste pour cette façade-là de la maison, j'aime beaucoup, vous voyez, les fenêtres en coin comme ça. Vous voyez? Je sais pas, moi je trouve ça fait un côté très moderne tout en donnant... un côté ancien à la maison, du fait qu'ils sont en bois, j'aime bien. Bref, du coup, au niveau du sol, du plancher de la maison, on va mettre un mélange de pierre, alors, c'est quoi ça? C'est de la roche, de la pierre lisse. Et on peut mettre du tuf aussi, pourquoi pas, si vous en avez. Et l'idée, c'est d'en mettre de manière complètement aléatoire, sans qu'il n'y ait de motifs qui se répètent. Comme ça, ça donne un côté à l'œil qui est assez intéressant, puisque ça donne à la fois du détail, sans que pour autant il y ait grand-chose dans la pièce. Vous voyez, la pièce là que j'ai fait, elle est vide. Et pourtant ça habille un petit peu, le sol habille un petit peu la pièce, visuellement. Voilà, visuellement uniquement, bien sûr. Hop. Voilà. Donc, on va faire ça, on enlève le sol... hop, ici, hop, ok, une fois qu'on a ça, évidemment, on va faire une petite chose en plus, on va reprendre les blocs d'andésite poli, ok, pour le mur, et on va enlever toute cette ligne-là de terre qu'il y a en dessous, ok, parce que,
parce que vous allez voir sur notre modèle que ici en fait on a mis des dalles, on a mis toute notre grande terrasse ici comme ça en dalles, qui est donc un demi-bloc en dessous du niveau de la prairie autour. Et donc du coup on va voir tous les blocs ici, vous voyez, du mur, le bas du mur, on va voir les blocs. Donc on va les remplacer qui sont actuellement en terre et on va mettre de l'andésite poli à la place. Ok, hop, comme ça, hein. Hop, ok, il n'y a pas besoin de le faire du coup en dessous de ces murs là, ici et de ce côté là. C'est vraiment sur les murs qui vont être en face de la terrasse, c'est à dire ces murs là et la cheminée aussi bien sûr. Voilà, parce que oui du coup ce grand carré là, oui c'est pas un carré, c'est un carré, ouvrez votre âme, c'est un carré. Et hop, ce sera donc la cheminée et on va mettre aussi bien sûr, hop, de la cobblestone en dessous. Une fois qu'on a fait ça, bien on remplit tout simplement avec de la roche lisse, hop, voilà, de manière aléatoire, de la pierre, hop, de l'andésite, allez hop, etc, etc, et au bout d'un moment, de la roche, allez hop, jusqu'à pouvoir paver complètement votre surface. Hop, hop, ok. Donc ça donne ça, hein. Alors l'idée c'est qu'on va refaire exactement la même chose en laissant évidemment le trou pour la future cheminée au niveau, hop, de notre plancher ici là, vous voyez. Donc tout ce niveau là, au niveau du sixième bloc, on va remplir la surface exactement comme on a fait ici. Allez, alors non pas en andésite poli, voilà, en andésite. Hop, ok, donc j'ai fini de mettre en place toute la surface. Et j'ai mis aussi le contour pour la terrasse qui aura autour de la maison, ici vous voyez, donc notre grande terrasse à ce niveau là. Et tant qu'à faire, je vais vous donner les dimensions pour la réaliser tout de suite. Une fois que vous avez ça, on va aussi d'ailleurs assez rapidement mettre en place les extensions pour la maison. Vous voyez là, on a une partie de la maison qui est dans le vide et donc on va mettre les bûches qui vont permettre de structurer un peu tout ça. Donc l'idée, vous prenez des bûches en bois de chêne, vous venez ici sur ce bloc là. Et à partir de là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. Ok, on va revenir ici, on compte 3 blocs comme ça. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. D'ailleurs ici, je crois que c'est 6 blocs. On va venir faire comme ça. Ok. De l'autre côté, on va venir ici compter 1, 2, 3, 4 blocs. Au quatrième, on met 7 blocs en longueur, d'accord. On va rajouter, hop, une bûche en dessous ici, une bûche en dessous ici, d'accord. Et on va revenir prolonger les bûches comme ça, hop, et ici aussi. On va reprendre sur le côté ici du mur, paf, une longueur comme ça en bûche, ok, une ligne de bûche pour avoir ça au final. Et hop, on va prolonger cette ligne de bûche comme ça sur tout le long de la maison jusqu'ici. Ok, et on va refaire exactement la même chose pour cette partie là ici. Youp. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. On va laisser 1, 2, 3 blocs et au quatrième on met 7 blocs. Hein, on fait juste dépasser de 1. On remet une ligne de bûche ici sur le côté. Ici on va compter 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Hop, une autre ligne de bûche ici, comme ça. Très bien, on va revenir ici. Hop, comme ça, de 6 blocs sur la longueur. On enlève la bûche ici, comme ça, pour avoir toujours les bûches orientées dans ce sens-là. D'accord. On remet une ligne, pouf, pouf, pouf. Comme ça, ok. Et on prolonge cette ligne-là jusque à la terrasse qu'on vient de mettre. Hop, voilà. Donc maintenant on a vraiment le support qui va nous permettre de faire vraiment les deux et troisième étages de la maison. L'idée c'est que l'on va refaire au niveau de la terrasse là où il n'y a rien du tout, vous voyez, eh bien on va tout simplement prolonger la même chose que ce qu'on avait fait sur la surface ici. On va prendre, voilà, la pierre, la roche, le tuf, l'andésite, tout ça, et on va refaire la même chose ici de ce côté là Hop, voilà, comme ça, en laissant la,
la place pour la cheminée. Et ici dans les trous, là, on va tout simplement reprendre des planches de bois classique, des planches de chêne ici comme ça. Et on va remplir les trous, donc ici, là-bas et là-bas. Hop. Ok. Donc normalement, vous avez ça devant les yeux. Ok. Une fois qu'on a ça, on va venir mettre en place les piliers pour pouvoir mettre les étages et le reste de la maison. C'est-à-dire, vous voyez, toutes ces, les bûches comme ça de chêne qui vont soutenir toute la maison, qui vont structurer toute la maison. Ici, là, vous voyez, ces bûches-là. Hop. Ici, 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 vous voyez, donc les piliers en bois. Donc, pour placer des piliers en bois, hop, je vais vous montrer comment faire. Ok, donc j'ai placé les piliers et je vais vous montrer maintenant un petit plan pour pouvoir les réaliser vous aussi. Et une fois qu'on a ça, il va falloir maintenant monter les piliers à différents niveaux de hauteur. À différentes hauteurs, vous voyez, pour faire après les toits et tout ça. Donc, c'est ce que... Hop, je vais vous montrer. Ok, donc maintenant, il nous suffit, hop, de monter tout ça, hop, comme indiqué, allez hop. Ok, donc une fois qu'on a monté les piliers, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir faire les poutres, du coup, pour rejoindre les piliers entre eux. Hop, pour vous montrer ce que ça donne sur le modèle, hop, vous voyez, à l'intérieur de la salle principale, on va avoir comme ça les poutres, voilà, qui vont relier les piliers, pareil là-bas, vous voyez. Ok. Donc pour faire ça, on va reprendre les piliers qui font 8 blocs de hauteur, hein, vous voyez, donc ici, et on va les relier directement par leur sommet. Hop, comme ça. Youp. Hop. Ouais, alors du coup, en évitant de casser les blocs qu'on a déjà mis, ça serait pas mal. Hop. Ok. De l'autre côté, ici, on fait le coin pour le mur, en fait, hein, on relie ici aussi, hop, comme ça, ok, pour avoir quelque chose comme ça, et on relie le reste aussi, hop, hop, comme ça. Donc voilà, tous ces piliers là, on les relie entre eux à 8 blocs de hauteur. Ok, maintenant ici, sur le côté, ici, là, ce sera une espèce de petite serre, ok, donc on va venir prendre les blocs qui sont à 6 blocs d'hauteur normalement, si je dis pas de bêtises, 3, 4, 5, 6, ouais c'est ça. Et on va venir mettre des poutres à ce niveau là, vous voyez, qui vont rejoindre ces piliers là et qui vont se coller, hop, entre elles comme ça, et on vient revenir comme ça pour avoir une forme comme ça, d'accord. Ici, pareil, on reprend les poutres dans ce sens là. J'ai loupé un morceau, voilà. Hop, ici, et pareil, on vient revenir prendre les... On va remonter un petit peu aussi la cheminée. Il va falloir faire la cheminée, tiens, d'ailleurs, comme ça, ça permettra de faire plus facilement le reste. Hop, pour l'instant, je monte juste la cheminée à 6 blocs de hauteur. Hop, ok. Et on vient relier la poutre, du coup, entre le pilier et la cheminée. Pareil, de l'autre côté. Ici comme ça, alors on vient reprendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Hop, comme ça. Normalement on est à la même hauteur, c'est bon. Et on vient relier le reste des grandes poutres, ici comme ça, pareil, à 6 blocs de hauteur. Hop, comme ça sur toute la longueur de la maison. Youp. Vous voyez, voilà, donc tout ce côté-là, vous mettez 6 blocs de hauteur, pareil. Ok. Et une fois qu'on arrive au bout ici, eh bien on va faire pareil que ce qu'on avait fait sur l'autre façade. On va prolonger les poutres ici comme ça. Et ici comme ça. Et on va les faire rejoindre. Hop. De cette façon. D'accord. Et on va refaire d'autres poutres du coup. Hop. À 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs au niveau du sommet. Hop. Et on va refaire la même chose. Comme ça, ok, vous voyez, pour avoir du coup cette façade là, et là pareil du coup sur ces blocs là et ces poutres là, on va refaire on va remettre des poutres un peu partout. Ok, donc j'ai mis des poutres
ici sur la longueur ainsi qu'en face ici comme ça. On n'a pas fini d'en mettre loin de là, on va en mettre quand même encore beaucoup. Hop, ici par exemple on va prolonger ici comme ça pour les premières poutres. On va venir les mettre hop comme ça et on va venir même quadriller complètement toute cette zone là avec les poutres de 6 blocs de hauteur. D'accord ? Donc ici pareil on rajoute les poutres comme ça jusqu'à coller à la cheminée. Ok, ici en transversal aussi. Un peu, voilà, donc comme ça, d'accord. Et on va faire la même chose ici de l'autre côté. Hop, comme ça. Hop. Et hop. Ok, une fois qu'on a ça, alors ici, on va pas mettre de poutre puisqu'il va y avoir un escalier pour monter au premier étage. Mais par contre, ici, on peut en rajouter. Hop. Ici comme ça, on va pouvoir rajouter des poutres ici comme ça sur la longueur. Ici, jusque là, d'accord. Ici, hop, comme ça. Et à partir de là, hop, comme ça. Est-ce que j'oublie rien? Si, j'oublie. Hop, cette partie ici, on va rajouter aussi des poutres dans cette sens-là, dans ce sens-là. Pareil, comme ça. Hop. Et ici. Alors là, du coup, je vais carrément finir la cheminée d'un seul coup, à partir de maintenant. Et pour faire la cheminée, ce que l'on va faire, c'est qu'on va monter d'abord le conduit de cheminée à 12 blocs de hauteur au-dessus du niveau de la terrasse. Donc on va être à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Petite précision aussi, il va falloir mélanger la pierre ici comme ça avec de l'andésite pour avoir un côté un peu plus agréable à l'œil plutôt que de quelque chose de complètement uni. Vous voyez comme ça, hein, on n'hésite pas à faire pas mal de trous. On remplace par de l'andésite. Voilà. Donc moi je vais pas le faire forcément, je vais continuer avec de la pierre pour que ça soit plus rapide à faire, mais il faudra bien penser à mélanger avec de l'andésite un peu partout, d'accord? Ok, allez moi je finis le conduit, hop, comme ça à 12 blocs de hauteur. Après ça on va venir utiliser les escaliers en pierre et en andésite, hop, alors on est en andésite, comme ça, et on va venir les mettre, hop, ici, par exemple. Hop, en les mélangeant, hein, encore une fois, l'andésite et la pierre, paf, 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 paf. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, hop, on remet de la pierre ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un conduit de cheminée un petit peu plus petit que l'on va prolonger sur 8 blocs au-dessus des escaliers, vous voyez. Donc, du sol jusqu'ici, on a 12 blocs, on met 2 étages d'escalier. Et à partir du bloc au-dessus des escaliers, on va en rajouter 8, ok. Donc on a un bloc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs en hauteur. Pareil, on mélange la pierre avec l'andésite. Hop. Alors une fois qu'on a ça, on va venir enlever les blocs, hop, comme ça, pour avoir juste une espèce de créneaux comme ça, et on va venir utiliser les dalles de roche lisse comme ça, ok, et on va venir mettre un support, enfin un couvre, un espèce de toit à notre cheminée, d'accord. Et pour donner un petit côté avec un petit peu plus de détails, on va rajouter aussi des plaques de pression en pierre noire, ok, juste ici là, pouf pouf. C'est les petits détails qui ne se remarquent pas, mais qui, voilà, rajoutent toujours plus de détails. C'est toujours sympa. Et voilà, évidemment, il faudra mélanger ça à la à l'andésite, hein, bien sûr. Hop, comme comme dit précédemment. Pouf. Ok, bon, une fois qu'on a notre cheminée, du coup, on pourra rajouter les bûches ici comme ça pour pouvoir connecter avec notre cheminée dans ce sens-là. Et pareil ici, pof paf, comme ça.
Ok, donc une fois qu'on a ça, on est pas mal, on est pas mal. On va pouvoir rajouter les murs maintenant, parce que c'est vrai que ça fait... Il y a beaucoup d'espace pour l'aération, mais c'est vrai que ça manque un petit peu au niveau des murs. On va pas se mentir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les blocs de planches de chêne. D'accord ? Et on va venir... Hop. Hop. Mettre un carré comme ça. Ok, on va rajouter une barre de chaîne comme ça, ok, et on va venir remplir tout ça avec de la vitre classique, hein. Voilà, pouf, 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 pareil au-dessus, ok, une fois qu'on a ça, on va venir utiliser les dalles en sapin, on va venir faire une ligne de dalles en sapin ici, et on va venir faire une espèce de chapiteau. On va venir mettre sur... Oula, j'ai cassé la vitre. On va venir mettre sur la vitre du coin ici carrément une dalle. Pareil devant comme ça. Et paf, 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 paf. Comme ça. D'accord ? Et une fois qu'on a ça par-dessus ici, sur la ligne qu'on a sur notre petite fenêtre du dessus, on va rajouter des trappes en chaîne. Comme ça, sur la ligne... Comme ça, ça nous donnera un petit effet de... Comment on appelle ça? Un petit effet de... De détail. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous voyez ce que ça donne du coup hein, sur notre modèle. Et c'est un pattern qu'on peut répéter après pour chaque fenêtre. Et donc du coup, une fois que vous en avez une, bah, vous pouvez faire toutes les autres sans problème. Le seul truc qui sera différent, ce seront les grandes façades ici. Vous voyez, les bouts à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, là-bas, seront différentes. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va reprendre du coup les planches de chêne pour faire ces morceaux-là. Et on va venir les mettre, hop, ici, paf, 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 comme ça, sur les contours. Pareil au niveau du milieu. Comme ça, bon, aller de l'autre côté aussi, hein. Ok. Et une fois qu'on a ça, on va venir reprendre les vitres pour pouvoir mettre hop, les fenêtres dans les trous qu'on vient de mettre. Hop. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir rajouter des dalles en sapin sur le devant, pareil. Hop. Ok, de notre façade ici. Et on va rajouter sur les fenêtres en coin comme ça. Juste une ligne de dalle au-dessus des fenêtres. Hop, pareil ici comme ça. Hop. Ok, alors sur le dessus par contre, pour vraiment finir notre petite façade, on va devoir utiliser les escaliers en chaîne. Si je suis pas passé dessus... Alors attends, ils sont où les escaliers en chaîne? Ici, donc voilà, prendre escalier en chaîne, escalier en sapin et escalier en chaîne noire que j'ai déjà. Et on va venir rajouter... Hop, une toiture directement. Hop, hop. Pour l'instant, je le fais en chaîne, mais vous allez voir assez rapidement, comme c'est un peu la particularité de la maison d'ailleurs, que le toit ainsi que voilà les terrasses et un peu partout, en fait, c'était ça un peu l'originalité de la maison, c'est qu'on va avoir un toit en mosaïque, un petit peu avec différentes couleurs de bois, d'escalier. Ok, et donc... va falloir mélanger tout ça. Pour l'instant, je le fais tout en bois de chêne, comme ça, c'est plus simple pour la structure, et on fera les finitions après, d'accord? Hop, on fait la même chose ici, mais il va falloir changer, hein, bien sûr, après. Pour l'instant, je le fais que en chêne. Hop, comme ça. Alors, du coup, attends, je vais trouver une autre histoire. Pour placer les blocs plus facilement. Sur le dessus de notre toiture, là par contre, on va utiliser des dalles de roche lisse. Ok. Comme ça. Et en dessous, on va utiliser de la bûche de chêne classique dans le sens, comme ça, de la longueur. Ok. Bref, donc du coup, tout ça, c'était pour pouvoir finir notre façade en dessous. Là, vous voyez, on a du coup des espèces de murs qu'on a à remplir. On va utiliser les planches de chêne, voilà, classiques, pour les mettre ici dans les coins. Hop. Et au niveau du milieu, on va rajouter
des murs comme ça. Hop. Ainsi que au niveau du bas. Et on va rajouter même, hop, une couche comme ça en plus. D'accord ? Une fois qu'on a ça, on va pouvoir rajouter des vitres, tout simplement. Hop. Ok. On va prolonger maintenant un petit peu le toit par devant. On va venir utiliser les bûches de chêne ici, comme ça on va les prolonger sur 4 blocs par devant la maison. 4 blocs ici aussi, du coup, 3, 4, et à ce niveau-là, 2, 1, 2, 3, 4, ok. Et on va prolonger le toit, hop, jusqu'à 3 blocs de long, hop, comme ça. On va laisser du coup un bloc de bûche qui dépasse. Hop, hop, pareil, il faudra un peu faire une mosaïque, on verra ça plus tard. Hop, comme ça. Hop. Ok, une fois qu'on a ça, notre toit comme ça, du coup, hein, qui dépasse de 3 blocs de chaque côté, on va venir utiliser les bûches et on va venir compter à partir de ce niveau-là, ok, toute une ligne de blocs comme ça. Et on va venir rajouter par devant nos bûches ici, comme ça, ok, des piliers de bûches, comme ça. Et comme ça, on va rajouter un autre bloc de bûche en dessous ici, d'accord. Et on va rajouter des escaliers à l'envers en dessous de notre toit que l'on vient de mettre, pour avoir un côté un peu plus lisse, un peu plus joli à l'œil, si tant est que j'arrive à me déplacer. Ok, hop, voyez, comme ça, hop, etc, etc. Ok, donc, eh bien, ça rend pas trop mal. On va venir rajouter des dalles en sapin sur le bord de notre fenêtre. Voilà, je trouvais plus le mot. Et puis, on est pas mal. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter le reste des murs, du coup, à la maison. Ici, vous voyez, donc, dans toutes les cases où il y a... Où ce sont juste des carrés comme ça, ici. Alors, pas au-dessus, du coup, mais... pareil sur toute la longueur ici, voilà, tous ces carrés là, ce sera toujours la même chose là-bas aussi, sauf ici. Alors ici on ne fera pas, ici on le fera aussi, ici aussi, ce sera donc des fenêtres, comme ça, des fenêtres quasiment partout en fait au final, d'accord. Donc sur toute la longueur ici, c'est de là aussi, ok. Donc voilà ce que ça donne, hein, rapidement. Voilà la rangée de fenêtres, sauf que évidemment sur ce côté-ci, les fenêtres sont un petit peu plus petites, les murs sont plus petits, et donc on n'aura pas la place de mettre une autre fenêtre, une autre ligne de fenêtre encore au-dessus. Donc on met juste une fenêtre classique comme celle qu'on avait mis ici, d'accord. Alors ici ce sera évidemment la deuxième façade, on fera la même chose que là-bas, sauf qu'on fera deux fois le premier étage finalement. Voilà, classique, hein. Et puis tout le reste ici, vous voyez, on va faire exactement les mêmes fenêtres que ce qu'on a mis de l'autre côté. Voilà, pareil, hein, pareil. Hop. Ok, alors du coup, j'ai fini de mettre les fenêtres auxquelles je pense, en tout cas. Donc, de l'autre côté, hop, vous voyez ce que ça donne, hein, voilà, classique, on en met partout. Autour de la cheminée, on va mettre forcément des fenêtres plus petites, vu que bah, on a moins de place. Donc là, il y aura des fenêtres que de 3 blocs de large, d'accord. Ici, on bouche tout, ok. Et là, pareil, de ce côté-là, donc la fenêtre plus petite à côté de la cheminée. Ici, bon, voilà, pareil. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir mettre le plancher au niveau de l'intérieur de la maison pour que ce soit plus facile pour le reste. On va venir utiliser des planches de chêne et on va venir, voilà, remplir. Hop, paf. Paf, le plancher ici, comme ça, de chaque carré. Vous voyez, vous avez ce carré-là. Ici à l'intérieur, ce carré ici, voilà, on va remplir tous les carrés ici comme ça, vous voyez, sauf évidemment à ce niveau-là, ok, donc tout ça on laisse vide cette partie-là ici aussi, et tout le reste, tac, on remplit avec du bois. Ça marche, allez hop. Hop. Une fois qu'on a ça, on va venir mettre en place les portes. En gros, vous voyez ici, à ce niveau-là, et de l'autre côté ici, j'ai laissé des grands trous. Et on va y mettre des portes, tout simplement, à la place des fenêtres. Donc l'idée, c'est qu'on va venir mettre des blocs de planches de bois ici, comme ça. Et l'idée,
que j'aime bien, c'est qu'on va juste séparer en deux, en laissant voilà, deux parties comme ça, et en rajoutant évidemment des fenêtres sur la partie du dessus, paf, paf, hop, comme ça. Ok, et en rajoutant des portes, du coup que l'on va utiliser des portes en chêne noir. Hop, comme ça, et comme ça. D'accord. On va réutiliser les dalles, quoique on peut utiliser les escaliers, tiens, tant qu'à faire des escaliers en sapin. Tu vois, comme ça. Et on peut les utiliser par-dessus en les mettant un peu comme un chapiteau l'un contre l'autre, comme ça. Bah, je trouve que ça rend bien. Et en plus, on est aligné au niveau de la hauteur avec le reste des espèces de chapeaux pour les autres fenêtres. Du coup, on est dans le ton, on est en harmonie, tout va bien. L'idée, c'est qu'on va venir faire exactement la même chose au niveau de ces deux portes-là. On va venir faire d'autres portes ici et là-bas, ainsi que ici, mais ça sera différent. Hop, allez, on fait ça. Hop, ok, voilà, donc j'ai fait ces deux portes-là. On va tout de suite rajouter un mur ici, hop, ok, qui sera à l'intérieur de la maison pour le coup, lorsque ce sera fini. Tant qu'à faire, on va aussi faire directement à ce niveau-là, on va y avoir du coup un escalier. On va le faire directement. On va utiliser du coup des escaliers en chaîne, voilà, ainsi que des bûches. On va utiliser beaucoup de bois, hein, comme vous pouvez l'imaginer de toute façon. C'était une maison en bois. Hop, un petit chalet. Enfin, petit n'est pas exactement le terme, mais... hop, bref, du coup, des escaliers en bois jusqu'à monter... Hop, ici comme ça, très bien. Paf, 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 paf. Ok, ici... On fait ça comme ça et on reprend après les bûches, les planches hein, classiques. On reprend les bûches en bois, on va venir faire ça comme ça. Hop, ok. Le trou ici, on le remplit avec des planches classiques. Et ici, sur le côté de l'escalier, on va rajouter des grosses bûches en bois pour faire une rambarde un petit peu stylée. Hop, voilà, ici pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Comme ça, c'est fait. Très bien. Ok, donc on va directement faire la partie ici, donc la façade qui est à ce niveau-là. On va refaire exactement la même chose que là-bas, sur deux étages, plus le toit, hein, plus le toit. Hop, pareil. Voilà, donc on a quasiment fini la façade. J'ai pensé à une chose aussi, c'est qu'on peut utiliser des boutons en pierre, vous voyez, pour mettre au niveau des intersections des poutres et des piliers, comme ça. Comme ça, ça permet de donner un petit détail, un petit peu de détail en plus. Ok, une fois qu'on a ça, on va pouvoir finir vraiment les murs qui restent donc à ce niveau-là. Il me semble que ce sont bien les derniers murs qui restent dans la maison. Il y a aussi le premier étage à faire, tiens, il faudrait pas que j'oublie. Donc, ici donc, à ce niveau-là, on va faire une porte d'entrée, donc on va venir faire un encadrement bois. Hop, on va mettre une ligne ici pour avoir comment on appelle ça, un truc là, voilà, une fenêtre, voilà. Et on va venir mettre une ligne de blocs comme ça pour pouvoir avoir des portes de chaque côté. Hop, voilà. Je sais plus parler, tout va bien. Hop, donc voilà, on refait des fenêtres ici comme ça avec des vitres dans ce sens là et on va utiliser les portes en chaîne noire, paf 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 paf, comme ça. Et donc par dessus les portes ici comme ça, on va rajouter évidemment ils sont où, je les ai plus sur moi, on va rajouter les escaliers comme ça, hop, pour les mettre comme ça. Et on va rajouter aussi du coup des trappes sur le dessus, hop, comme ça, pour avoir voilà ce qu'il faut. Alors ici du coup, youp, de l'autre côté on va faire exactement la même chose, hein, exactement la même porte ici, allez, hop, ok. Une fois qu'on a ça, on va venir
faire notre partie à ce niveau-là, donc la serre. Hein. Et la serre, on va faire donc de très très grandes vitres. On va aussi faire une vitre au niveau du toit. Paf paf, le toit on le fera un peu plus tard. On va juste faire du coup des cadres comme ça en bois. Boing, boing. Hop, comme ça. Et pareil partout. On va juste mettre une porte. Hop. À ce niveau-là. Hop. Ok, on coupe en deux. Et ici, on mettra une porte comme on a fait à ce niveau-là. On mettra aussi, bien sûr, les escaliers au-dessus. Les trappes, non, les portes comme ça. Très bien. Pouf. Ok. Donc, ben pour le reste, ici, on va juste mettre de la vitre à fond la caisse. Hop. Allez. Ok. Et pareil, au-dessus, les... Ah. Les dalles en forme de chapiteau. Comme ça. Hop, 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 hop. Ok. Donc, maintenant qu'on a nos murs, on va pouvoir placer les toits, quand même. Donc, le toit. L'idée, c'est qu'on va venir prolonger ici le toit qu'on a déjà fait, hein, voilà, comme ça, sur la longueur. Mais, évidemment, alors, vous connaissez un petit peu avec le temps. Oh, tiens, oui, alors, je suis en mode hors ligne, donc j'ai plus mon skin, c'est normal. Vous, ne paniquez pas. je suis pas en ligne. Du coup, le toit, ce qu'on va faire, c'est que, moi, de mon côté, je vais le faire tout en planche de chaîne, comme ça, en escalier en chaîne. Mais évidemment, la particularité, c'est qu'il faudra mettre une mosaïque. Donc l'idée, c'est que sur la partie la plus élevée du toit ici, comme ça, il faudra mettre des blocs de chêne noir et des blocs de sapin, uniquement. Des escaliers de sapin. Donc on mettra plus de chêne noir et un peu moins de sapin, et aucun bloc de chêne, ok. Et l'étage du dessous, on mettra quelques blocs d'escalier en chêne, un peu moins de chêne noir, ok, et un peu plus de sapin. Et encore à l'étage du dessus, un peu plus de chêne, un peu moins de chêne noir et un peu plus de sapin. Et là, de plus en plus de chêne au fur et à mesure qu'on descend. Vous voyez, plus c'est haut, plus c'est sombre en termes de couleur, tout simplement. Et plus on va vers le bas, plus ce sera clair. Sans utiliser le boulot non plus. Vous voyez, pareil ici, pareil là-bas. Enfin, ça plus tard. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment faire... Moi, je vais faire la structure du toit, mais il faudra le faire de cette manière-là. D'accord. On va faire ce toit-là en premier. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser, hop, tiens, j'avais oublié de mettre des dalles de roche comme ça. On va utiliser ici les bûches pour pouvoir prolonger la poutre qu'on avait ici, ok. Et on va la prolonger, hop, sur toute la longueur. Et normalement, si tout est bien dans vos calculs, dans votre maison, vous devriez arriver pile poil à la jointure ici, avec ce pilier là, d'accord. Donc là, normalement, c'est ce qu'il faut. Alors, ici, on va rajouter un morceau de toit rapidement, histoire de... Hop, de savoir où on est. Hop, ok, donc là, j'ai fait un petit morceau de toit, hein, histoire juste de savoir où je suis. La roche lisse, faut pas que j'oublie. Hop, voilà, par-dessus. Hop, ok. Donc, si j'ai fait ça, c'est pour savoir où va être... Où va se prolonger la bûche ici, vous voyez. Donc vous faites ça, une partie du toit comme ça. Et en prenant la bûche qu'il y a à ce niveau-là, on la prolonge. Hop, on prolonge ici aussi. Et normalement, elles doivent se rejoindre à ce niveau-là. Ok. Donc ici, on va faire le toit. Hop. À ce niveau-là, on va faire comme pour les autres parties du toit. On va prolonger notre bûche à 4 blocs en devant de notre façade. 1, 2, 3 et 4, ok. Hop, ici comme ça. On va venir prolonger le toit. Sauf que, évidemment, vous vous en doutez, il y a la cheminée qui nous embête un petit peu. Et donc, on va devoir faire avec, vous allez voir. Ça va pas être bien compliqué. Ok, donc là, on a notre toit qui dépasse, je le fais rapidement. Voilà, alors ici, on va faire, hop, le toit venir, on va faire venir le toit comme ça, à côté de la cheminée,
D'accord, donc pour l'instant on a ça. Et l'idée c'est qu'on va venir prolonger le toit ici comme ça, sur un bloc en face de la cheminée. Ici, on enlève ces blocs là et on remet des blocs à la place. Et à ce niveau là, hop, on va juste rajouter, hop, ici comme ça. Dès qu'on croise des escaliers comme ça, on les enlève, hein, y a pas de problème. Et on va rajouter tout simplement un mur en bois et on va combler en dessous par des escaliers à l'envers. Alors voilà, comme c'est une façade un peu particulière à cause de la cheminée, on ne va pas pouvoir mettre d'autres charpentes comme on avait fait sur les autres façades. Ici, on est obligé de, voilà, de rester simple. Ok. Ok, ok. Voilà, donc pareil, ce toit-là, du coup, on le prolonge sur toute la longueur de ce côté-ci. Ok. Et de l'autre côté, ce toit-là, on va le prolonger jusqu'ici, là, vous voyez. Donc, en fait, on va avoir un angle comme ça. Donc, l'idée, ce sera de faire... Hop. J'arrive pas à placer les blocs où il faut. Hop. Voilà. L'idée, ce sera de prolonger tout le toit ici, jusque-là. Ok. Et pareil, ce toit-là, tout jusqu'au bout là-bas, et tout jusque-là. Donc, on va remplir tout ça, tout ça. Un sacré programme. Allez, hop, on commence. Hop. Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne une fois qu'on a placé les escaliers de ce côté-là et de ce côté-là. D'un seul coup, la maison paraît quand même beaucoup plus habillée. Alors, on va venir ici. Voilà, sur la grande partie qui nous manquait. On va venir mettre des escaliers comme ça. Hop. Pour pouvoir faire en fait une espèce de toit dans ce sens là pour pouvoir mettre une porte en dessous, en fait c'est ça l'idée. Donc on va venir faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Alors ici on est quasiment au milieu, le milieu ça doit être ici quelque part par là. Ok, donc va falloir penser à ça. Ok, une fois qu'on est arrivé au milieu, on va utiliser tout simplement une planche comme ça en bois ainsi qu'une dalle en bois et on va repartir en descente sur l'autre côté. Hop. Alors là évidemment c'est un petit peu plus compliqué de placer les blocs. Voilà, on enlève ça ici, bien sûr c'était juste un repère. Et puis après on va venir faire la jointure entre ce toit ici et le toit qu'il y a ici. Donc paf, 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 paf comme ça, paf, 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 ok. Et ici, alors pareil, même si c'est un peu plus compliqué forcément à cause des murs et tout... Attends, je suis en train de réfléchir là, je fais un... On va le faire... Attends, on va faire les ouais, je sais plus parler, on va faire les choses au fur et à mesure. Comme ça, ça sera plus simple. Hop, ok, comme ça on est bon. Donc ici, il nous reste juste un bloc d'espace pour faire des choses. Hop, hop. Hop, comme ça. Ok. Et puis, on peut faire... Attends, on peut faire les choses comme ça. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est la partie compliquée de la maison. Ça, je ne le cache pas. Comment on peut faire un espèce d'escalier dans le sens comme ça? Paf, est-ce que ça se voit? Alors, de l'intérieur, c'est bon. Mais est-ce que de l'extérieur? Ouais, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'être bon. Ok, donc... On a notre, notre maison comme ça. Maintenant, on va pouvoir mettre hop, des planches de bois un peu partout. Hop, alors, on a une ouverture de 3 blocs de hauteur. Donc, on va faire 3 blocs sur 3 blocs. Et on va venir mettre des portes comme ça. Une ligne de 2 blocs au-dessus.
Et bah tant qu'à faire, voilà, une ligne comme ça, ou carrément comme ça. Ouais. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Maintenant que j'ai d'ailleurs les blocs de, les dalles de sapin dans la main, je vais en profiter pour faire une ligne comme ça de sapin sur la partie supérieure, en fait, de la poutre qu'on a ici, hein, voyez, comme ça. Hop, et on va faire le tour de notre terrasse jusque à la cheminée. On va venir utiliser les barrières. Les barrières en bois de chêne, donc les trucs assez classiques, ainsi que les trappes en chêne. Voilà, donc les barrières, on va les mettre sur les dalles en sapin qu'on vient juste de mettre. Ok, sur toute la longueur. Ok, et on va venir rajouter les trappes par-dessus. Non, voilà, je ne t'ouvre pas. Voilà. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir faire cette partie-là. Vous voyez, j'ai laissé des escaliers jusqu'ici, en fait, parce que j'ai pas... toute la partie ici va être transformée, en fait. Et comme je sais qu'il y en a certains parmi vous qui n'aiment pas quand je transforme un peu tout au fur et à mesure, et ben voilà, j'ai laissé ça comme ça. Donc l'idée ici, c'est qu'on va venir faire un toit en pente en dalle, hein, tout simplement en dalle de chêne. On va venir mettre des dalles en chêne ici, comme ça. Hop, et comme ça ici. Ok. Alors, sur le côté, on va mettre des choses comme ça. Et on va venir, pouf, mettre deux blocs de dalles en chêne. Deux dalles par deux dalles, comme ça. Une espèce d'escalier avec des marches, comme ça. Pour aller tout jusqu'au toit, ici. Hop, et sur le côté, on va mettre un truc comme ça aussi, aussi. On enlève les escaliers qui nous embêtent. Et on met... hop, on bouche les trous à ce niveau-là. Ok. Et après, cette forme-là de toit, on va la prolonger sur toute la longueur de notre serre. Sauf que on va laisser un trou en plein milieu pour pouvoir mettre une vitre ici, là, vous voyez. Hop, sur toute la longueur de notre serre. Donc voilà, on va faire ça. Ok. Donc voilà, on peut faire ce cadre-là, hein, comme je disais. On peut rajouter des dalles... hop, sur la longueur, comme ça, sur deux niveaux. Et ici, on va rajouter, hop, voilà, deux. Deux niveaux comme ça. Alors, du coup, là, on va s'arranger pour mettre des blocs de verre. Des blocs de verre, du coup. Pas des vitres, hein, mais bien des blocs de verre, parce que sinon, si on utilise des vitres, il y aura plein de trous partout. Donc, on va faire ça comme ça. Ok, on va faire ouais, un trou de 5, ça peut être bien. Et on va rajouter des blocs de verre comme ça sur la longueur. Hop. Ok. Et puis voilà. Là, on est centré, tout va bien et tout. Alors, on va venir à l'intérieur de la maison maintenant pour pouvoir mettre... un mur ici là pour vraiment séparer la serre du reste de la maison. Donc en fait, on va venir réutiliser les portes ici comme ça, et on va venir faire deux fois la même chose ici comme ça. Donc en gros, ici on aura des portes et redes portes derrière. Voilà, comme ça on aime les portes. Hop, voilà. Ok, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rajouter les fenêtres qu'il y aura directement dans le toit. Ça, on peut faire ça tout de suite. Alors, il faut que je sache exactement où on va. Donc, au-dessus. Ok, pile centré au-dessus du truc. Hop. Sur un, deux blocs au-dessus. Ok, très bien. Donc, on va venir faire les... comme je disais, du coup, les fenêtres dans le toit. On prend, par exemple, ici, le centre, en fait, de notre mur à ce niveau-là. On le suit, on va au niveau du... toit. On laisse deux blocs d'escalier comme ça, et à partir du troisième bloc, on va faire une ouverture. Paf, paf, peu, voilà, deux. Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de large. Et puis après, on va faire une espèce de petite pyramide comme ça. Ok? On va venir
mettre des escaliers comme ça. Hop. Paf, 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 pouf. Ok. Et on va rajouter évidemment notre petite ligne de dalles de roche lisse sur le dessus. Une bûche, non pas une bûche, une, comment on appelle ça, une planche en chêne comme ça. Et des escaliers à l'envers. Hop. Ok. On va à l'intérieur du coup et on va rajouter des escaliers à l'envers comme ça ici. Pour pouvoir nous permettre d'avoir un support pour nos vitres. Hop. Qu'on va mettre comme ça. D'accord. Hop. Et je peux plus avancer. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai mis une vitre. J'ai mis une vitre en plein milieu de là où il fallait pas. Très bien. Alors, voilà. Donc là, on va faire ces fenêtres-là. Elles sont vraiment très, très simples, hein, comme vous pouvez le voir. Mais ça donne vraiment du relief au toit. C'est sympa. Donc, on va en mettre une deuxième ici. Là, vous voyez. Vous prenez le milieu de ce morceau de toit. Vous allez... Hop, hop. Et jusqu'ici. Et paf. Vous mettez... vous refaites exactement la même chose que ce qu'on a fait ici, là. Vous voyez? Voilà. À la même hauteur et tout pareil. Et une fois que vous aurez fait ça, vous faites exactement la même chose sur le toit qu'il y a derrière. Bon, il n'y a pas encore de toit derrière, mais vous imaginez qu'il y a un toit, et ben vous imaginez que vous faites des fenêtres dessus. Vraiment, là, le symétrique. Allez, bon, allez, je vais faire ça. Hop. Ok. Voilà ce que ça donne, évidemment, au niveau de la structure de ce mur. Alors. Bon, bah ça commence à avancer, mine de rien. On va... maintenant faire la terrasse, parce que c'est vrai que finalement toute cette terrasse là et le dessous, bah on n'a rien fait du tout pour l'instant, alors que pour le coup vous voyez il y a encore plein de fenêtres à faire. Donc l'idée, ce que je vous invite à prendre avec vous, ce sont des escaliers en diorite et de la roche lisse, d'accord. Voilà, donc on va faire l'escalier qui nous permettra d'accéder à la terrasse. On va venir ici, on va venir mettre paf paf des... non, c'est pas ça d'ailleurs en plus. On va venir rajouter des escaliers ici comme ça. Paf, paf. Alors, des escaliers en diorite. Hein. Ok. L'idée, c'est qu'on va venir faire... hop. On va venir mettre des escaliers comme ça. Hop, les uns au-dessus des autres pour avoir un espèce de petit... relief entre chaque. Vous voyez, il y a une espèce de trou comme ça. Ça nous fait penser à une rambarde. C'est plutôt sympathique. Vous voyez, donc à partir de là, on met deux escaliers, tac, 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 tout jusqu'en bas. On en met évidemment à l'envers aussi après. Comme ça, ça nous donne une vraie rambarde d'escalier vraiment stylée et tout. Ok, on refait la même rambarde d'escalier avec deux blocs d'écart entre les deux pour laisser la place au reste de l'escalier, en fait, tout simplement. Hop. Hop, ok. On rajoute des escaliers par devant. Comme ça. Et par en dessous. Ok. Et avec ça, on va utiliser les dalles de roche lisse. On va venir les mettre comme ça. Hop, hop. Tous les blocs comme ça. Hop, et voilà, on arrive pile poil là où il faut. Et tada! Alors le petit truc que l'on peut faire ici, c'est que vous voyez, on peut rajouter le dernier bloc ici comme ça à l'envers, le petit escalier à l'envers, pour que ça fasse vraiment la fin de la rambarde d'escalier, et puis voilà, ça donne un côté un peu plus sympathique. Une fois qu'on a ça, on va venir rajouter des barrières, comme on avait fait pour la terrasse du dessus, ici comme ça. Hop, comme ça. Et on suit vraiment la ligne, évidemment, sur le côté. On va reprendre les trappes et on va venir les remettre par-dessus. Hop, voilà. Donc, on les a mis d'un côté. Maintenant, on va faire la même chose de ce côté-là, hein, bien sûr. Et paf! Ok, bon, on n'a quand même pas fini notre toit malgré tout. Donc, c'est vrai que ça serait bien de finir notre petit toit. Alors, on va reprendre notre façade qu'on avait mis à ce niveau-là, vous voyez, le
bloque la ligne de bûches de chêne qu'on avait mis ici. On va la prolonger sur toute la longueur jusqu'à arriver pile au-dessus des roches lisses qu'on avait mis la dernière fois. Et l'idée, c'est qu'on va venir prolonger le toit sur toute la longueur ici, avec la petite subtilité qu'on va venir mettre une fenêtre de toit pile en plein milieu ici. Vous voyez, une fenêtre vraiment verticale, comme ça. Donc, on va venir prolonger les escaliers comme ça, jusqu'à rejoindre ce toit ici. Sauf que vous remarquez que ici il y a un trou. Donc ce qu'on va faire déjà tout de suite, histoire de ne pas l'oublier, c'est de mettre, voilà, des bûches comme ça. C'est pas des bûches, c'est des planches, voilà, comme ça, histoire d'avoir de pas avoir de trou à ce niveau-là. Ok, maintenant on relie le toit au reste de ce toit ici. Ok. Voilà, donc j'ai rempli vraiment tout le toit. Vous n'êtes pas forcément obligé de le faire vous-même parce qu'on va creuser en plein milieu. Donc vous pouvez vraiment laisser un trou en plein milieu. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter... Alors ils sont où les planches? Ils sont dans ma main, très bien. On va rajouter du coup des planches à ce niveau-là. Hop. Pour pouvoir avoir un toit qui dépasse d'un bloc du reste du mur. Très bien, sauf que évidemment en dessous, à l'intérieur, bien on n'a pas de support pour le toit. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser les bûches et on va venir mettre des bûches de chêne à l'intérieur histoire d'avoir une poutre pour soutenir le toit quand même. Et donc l'intérêt de ça, c'est que ça nous laisse une ligne comme ça ici où il n'y a rien. Et on va pouvoir mettre une ligne de blocs de verre pour faire une fenêtre supplémentaire malgré tout. Pourquoi je dis malgré tout, je ne sais pas. Alors, et quand même ressortir, et on va mettre des escaliers à l'envers ici. Je rappelle évidemment, on mettra les escaliers de couleur tout à l'heure. Alors ici comme ça, on va rajouter en plein milieu du coup la fameuse fenêtre. Hop, la fameuse grande fenêtre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, mettons bloc d'un côté. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors attends, j'ai compté par rapport au bord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je recommence. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Voilà. Donc... entre ces deux blocs là, hein, on va pouvoir mettre une grande fenêtre centrale au niveau du toit. Donc on va pouvoir ouvrir ici, hop, sur trois blocs de hauteur. Ok, des deux côtés. Ok, voilà. Et du coup, on va rajouter des escaliers en chaîne noire du coup. Alors, c'est en chaîne noire ou en chaîne jaune? En chaîne noire, d'accord, très bien. Comme ça, du coup à l'envers des escaliers qu'on avait sur le côté ici, comme ça. Ok, très bien. Voilà. Ici. Ok. Ok, une fois qu'on a fait ça comme ça, on va pouvoir rajouter du coup les escaliers par-dessus. Ah non, pas comme ça, ok, ici juste. Ok, hop, hop. Hop, comme ça. On va rajouter aussi du coup des blocs de chêne noire. C'est tenté que je les retrouve, parce que ça aussi c'est une histoire. Alors attends, chêne noire, ici, très bien, du premier coup. Hop, ici, et on va rajouter un en plein milieu. Alors, le plein milieu, il est où? Il est de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, à 6, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, paf, ici. Très bien, on va rajouter une espèce de machin, ici, comme ça, voilà. Ok, très bien, très joli, magnifique. C'est normal, c'est moi qui ai fait. Alors, hop. Voilà, donc on a une chose un petit peu comme ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'escalier ici dans ce sens-là?
Voilà, ça rend un petit peu mieux. La même chose de l'autre côté, ça c'était bon. Hop, on met du verre. Ici comme ça, paf et paf. Hop. Hop, voilà. Et normalement, on est bon. Et voilà. Alors, ça fait un petit peu bizarre, ça comme ça. On va pouvoir mettre plutôt... Voilà. Ça fait bizarre d'avoir trois blocs de... de verre au niveau du dessus, histoire d'avoir quand même un espèce de sommet un peu sympa. On va pouvoir faire ça plutôt comme ça. Ouais, c'est un peu mieux. C'est mieux, c'est mieux. Voilà. Alors oui, évidemment, la roche lisse que j'oublie tout le temps, on les met par-dessus comme ça. Voilà. Youp. Ok. Alors l'idée, pour finir le toit, c'est qu'on va venir mettre des escaliers, des fenêtres du coup. Comme on avait fait ici, là, vous voyez, les mêmes fenêtres que l'on va mettre ici. Ok. Sauf qu'on va les mettre à juste un bloc de hauteur au-dessus du bord du toit, hein, et pas à deux blocs. Ok, comme ça. C'est un peu grand comme fenêtre, là, pour le coup. Paf, 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 paf. Voilà. Donc voilà, des fenêtres de trois blocs de haut, comme ça, ça fait pas trop grand. Hop, hop. Ok. Et à l'envers, bien sûr, des petits blocs en plein milieu. Et très très bien, on reprend les blocs de vitre pour pouvoir les mettre inside. Il y en a un ici. Il y en a un ici, très bien. On va reprendre exactement la même fenêtre et on va la mettre ici à ce niveau-là. On va aligner la fenêtre avec les autres fenêtres qu'il y a en dessous. Paf, 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 paf. Vous voyez, on fait la même chose. Hop. Voilà. Donc maintenant qu'on a fini le toit, enfin, on va pouvoir passer aux finitions, c'est-à-dire mettre des escaliers en chêne noir et en sapin, du coup, dans le toit. Comme je l'expliquais déjà lors des dernières vidéos, évidemment, j'ai tendance à faire des choses, à les recasser ensuite pour faire autre chose. Et voilà, ça m'est reproché de temps en temps dans les commentaires. J'en suis conscient et du coup, je sais que certains n'aiment pas ça. Quitte à faire quelque chose, autant le faire bien la première fois. Mais en fait, c'est pas comme ça que je travaille. Moi, j'ai tendance à faire vraiment méthode, enfin étape par étape les constructions. Et ça nécessite de les enlever et de refaire des choses et de les enlever, etc. etc. Donc désolé, mais c'est comme ça que je build. On va utiliser du coup les escaliers en chêne noir et les escaliers en sapin pour pouvoir mettre une espèce de mosaïque, hein, la fameuse mosaïque du toit. On y est enfin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Voilà, j'ai des petits coups de frise. On va faire plein de trous, un maximum de trous du coup dans la première ligne en haut. Ici d'ailleurs, pareil. Je vais faire juste un morceau, je vais faire juste... Ce côté-là avec vous, il faudra faire la même chose partout, sur tous les côtés, sur tous les toits de la maison. Très bien, très bien. Alors, ici, on peut même enlever quasiment tous les blocs de chêne. Hein. Hop, on met vraiment des blocs comme ça de chêne noir de manière un petit peu éparse. Mais un peu pas mal quand même. Hop, voilà. Voilà, voilà, par exemple. Ok. Et après, ligne par ligne, on en mettra de moins en moins. Hop, ici par exemple, comme ça. Hop, mettra quelques blocs de chaîne noire. Hop, et de moins en moins avec quand on va descendre, vous voyez. Donc voilà, peut-être un comme ça, peut-être un comme ça. Et puis comme ça. Ici, on mettra peut-être un petit peu plus. Ici 2, 3 juste, ici 2, ouais pareil 2, 3, 4, et puis pareil voilà, histoire de vraiment montrer qu'il y en a beaucoup moins.
Voilà. L'idée aussi, c'est que les fenêtres, on ne va pas les toucher du tout. Elles vont rester complètement en chêne parce que ça nous permettra d'avoir vraiment un contraste entre le reste du toit et les fenêtres. J'ai essayé pour vous dire de mettre des blocs de couleurs du coup dans les fenêtres. Elles se voient moins bien, elles ressortent moins bien, elles se camouflent un petit peu dans le toit. Et du coup, c'est un petit peu dommage. Ça rend mieux lorsqu'on les laisse en chaîne. Voilà. Après, vous faites évidemment comme vous voulez. Nos soucis. Hop. Hop, comme ça on enlève pas mal. Youp, voilà. Alors est-ce que... Non, ça marche pas du tout. Bon, très bien. Ouais, non, je vais peut-être pas en mettre autant quand même. Voilà, on rajoute un petit peu. Comme ça. Voilà, je fais plein de trous, mais vous inquiétez pas, c'est pour mettre les chaînes noires, après je mettrai les sapins, et puis après, etc, etc. Hop, vous voyez, mais c'est pour vous donner au moins un exemple de comment on peut procéder. Hop, hop, soit vous pouvez faire ligne par ligne en partant du haut ou partant du bas, soit vraiment le faire comme ça aussi. Il y a plusieurs méthodes. Hop... Là du coup ça sera pour le sapin. Hop, hop, hop. Vous voyez? Et plus on descend comme ça, moins il y a de... Hop, on devrait même le changer celui-là. Voilà. Etc. La même chose ici. Hein. Hop, 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 hop. Hop, etc, etc. Voilà. Ok, donc vous voyez un petit peu comment est-ce qu'on peut procéder pour avoir un toit un petit peu sympathique. Maintenant, c'est pas tout à fait fini. Pour finir le toit, l'idée c'est qu'on va venir à l'intérieur du bâtiment, ok, et on va pouvoir faire... mettre des escaliers à l'envers. Vous voyez, comme ça on mettra des escaliers à l'envers, mais l'idée c'est qu'on va garder le côté mosaïque aussi à l'intérieur du toit, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura par exemple un escalier en chaîne chaîne noire, on mettra un escalier en chaîne noire aussi à l'intérieur comme ça, vous voyez. Ici c'est du chaîne noire, très bien. Ici c'est du sapin, lorsqu'on a du sapin on met du sapin. Je vais devoir mettre de l'éclairage aussi parce que c'est vrai qu'on n'y voit pas grand chose. Hop. Ok, vous voyez, et l'idée c'est voilà, de garder la mosaïque à l'intérieur du toit, aussi comme ça, vous voyez, et l'idée ce sera de faire ça du coup sur toute la longueur du toit. Moi je vais le faire jusque ici, comme ça au moins ça se voit à ce niveau là, en laissant évidemment l'ouverture pour les fenêtres, hein, parce que sinon ça va être compliqué, sauf que c'est pas fini. C'est pas fini, on va faire quelque chose d'extrêmement stylé que moi j'aime vraiment beaucoup, ce sont les charpentes. Les charpentes, c'est que l'on va venir ici, vous voyez, au niveau des croisements entre les poutres et les piliers, et on va venir utiliser les blocs de chêne comme ça, jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'à la ligne de chêne qu'on a ici à ce niveau-là. Donc ça fait 4 blocs comme ça vers l'intérieur, et après on remonte comme ça. Donc voilà, on peut mettre les piliers comme ça. Puis après on va dans ce sens là jusqu'à l'autre côté, et en plein milieu on va rajouter un pilier comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté, 4, hop, comme ça, et voilà. Et ça nous fait une première charpente qui est vraiment très sympathique. On peut rajouter des escaliers en chêne sombre ou des escaliers en sapin ici, ça, comme ça sur le côté, pour faire un peu des supports, vous voyez. Hop, hop. Alors probablement que les menuisiers parmi vous me diront que c'est pas tout à fait normal de faire ça comme ça, mais
Voilà, sur Minecraft, on a la liberté de pouvoir le faire, donc on va pas se priver. Voilà, donc l'idée c'est de reprendre cette même charpente là et de le faire à chaque fois qu'on aura un croisement ici. Donc on va le faire ici, ici, là et là, ainsi que là-bas d'ailleurs. Et du coup on aura vraiment tout le long de notre grande salle ici qui sera charpentée, comme je vous avais montré du coup au début de la vidéo. Et je trouve que ça rend vraiment 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 bien. Et donc pour faire ça, je vous encourage à le faire avant de mettre vos escaliers à l'envers, parce que comme vous pouvez le voir, on a dû enlever des escaliers à l'envers sur le toit pour pouvoir placer les poutres, et vous aurez plus de facilité à les mettre 1, 2, 3, 4 s'il n'y a pas d'escalier. Donc mettez des escaliers plutôt après. 1, 2, 3, 4, paf, paf, comme ça, voilà, etc, etc, comme on avait vu au début de la vidéo. Ok. Alors, on n'a pas fini du tout, hein. Il va falloir faire le sol, évidemment. Youp. On va prendre des blocs de roche lisse, d'accord. Et on va venir mettre des piliers. Vous voyez, les piliers là-bas, hein, de la terrasse. Donc, on va venir ici mettre notre premier pilier. D'accord. Donc à ce niveau-là. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs et on va venir mettre un deuxième pilier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs d'écart et un troisième pilier, pardon. D'accord ? Ici, on va se mettre à côté de l'escalier et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. Et au 7ème bloc, enfin avec 7 blocs d'écart. On met un autre pilier. Pareil ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On arrive sur le coin. Et pareil ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pouf. Et au 8ème bloc, on met un truc. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ici. Bon, allez, bon, on respecte pas forcément l'écart absolument. Mais c'est juste qu'il faut que ça soit joli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7. Et on est bon. Ok. Donc l'idée maintenant, c'est que l'on va venir creuser dans le sol pour pouvoir mettre une terrasse qui sera faite en dalle. Donc pour pouvoir faire ça, on va venir, youp, prendre... On prend notre mur ici, ok, on va creuser dans le sol, tant qu'à faire, on va creuser tout ici. Ah bah non, enfin, il y a juste ici, très bien. Mettez bien de coup de la, les blocs d'andésite poli, même jusqu'à un bloc dans le sol. Hein. Alors, on va venir prendre ici notre mur, on va venir créer une ligne, hop, jusque à peu près par là, on va laisser ça comme ça. On va venir mettre, prendre ce pilier là, on va venir prendre une ligne qui va aller dans ce sens-là aussi. Et l'idée, c'est qu'on va essayer de faire un joli arrondi à ce niveau-là. D'accord. Donc, on va... Moi, je vais les relier parce que c'est plus simple. On va venir creuser comme ça. C'est plutôt joli. On va faire un petit peu plus. Voilà. Voilà, donc on va venir faire un arrondi comme ça, du coup avec deux blocs sur le côté, deux blocs au milieu, deux blocs comme ça. Et puis après on rejoint, hop, notre pilier ici, d'accord. Donc on va, voilà, on va faire un truc comme ça. Et, youp, on va reprendre ce pilier ici et on va venir, hop, refaire. Alors attends, on va venir suivre en fait la ligne, on va venir suivre le bord de la terrasse du dessus. Ok, donc on va aller jusque là. Après on va comme ça, on a deux blocs devant le pilier, deux blocs ici comme ça. Ici, notre ligne d'andésite, elle va jusque devant le pilier ici, très bien. Donc on creuse tout ça. Ok, boing, boing. Et on va voilà, faire la même chose qu'au-dessus. Par devant, ok. Comme ça, très bien. Donc toute la zone qu'on vient de délimiter ici, ce sera la terrasse pour le rez-de-chaussée.
et on va enlever toute la terre qu'il y a à ce niveau-là, d'accord? On va faire ça, on va enlever toute la terre. Hop. Voilà, donc on a creusé toute notre partie ici, et il y a deux problèmes que l'on rencontre. Par exemple, au niveau du bord de la cheminée, on voit que il va falloir rajouter des blocs, ici comme ça. Et pareil aussi, au niveau de murs, pour lesquels il manque des blocs, comme ça, dans des îles polies sous la terre, eh bien on va pouvoir, hop, mettre des blocs comme ça. Ok, on va pouvoir aussi rallonger les piliers en roche lisse qu'on avait. Pareil, hop, voilà. Hop, hop. Et voilà, voilà, voilà. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir utiliser les escaliers en stone brick, en pierre taillée en français, du coup. Je suis toujours pas habitué à la version française. Et on va rajouter, du coup, des escaliers comme ça, sur le côté, sur tous les contours de notre terrasse. Hop, comme ça, hein. Hop, voilà. Et on fait tout le tour. Hop. Ok. Donc, maintenant qu'on a ça, l'idée, c'est qu'on pourrait aussi rajouter quelques petites lanternes quand même à l'intérieur pour avoir un petit peu d'éclairage. Hop. Voilà. Parce que c'est vrai que dans le coin ici, là-bas, c'est vrai que c'est pas la folie. Voilà. Alors, ah bah voilà, c'est tout de suite beaucoup mieux. Alors du coup, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prolonger l'escalier aussi. D'ailleurs, je n'avais pas pensé. Hop, hop. Voilà. Et maintenant, au niveau du sol, on va rajouter un peu ce qu'on a fait au niveau de notre terrasse, du coup, avec des morceaux de pierre dans tous les sens, en prenant des dalles. On va prendre des dalles directement. Voilà, alors des dalles en pierre, des dalles en roche lisse, des dalles en roche et des dalles en andésite. Alors, il n'y a pas de dalles en tuf, malheureusement. C'est dommage. Pourquoi il n'y a pas de dalles en tuf? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est comme ça. Et on va rajouter, on va placer un peu de manière aléatoire, comme ça, tout plein tas de dalles des différentes. Hop, voilà, comme on a fait juste avant, hein, évidemment. Enfin, juste avant. Plus ou moins. Hop, voilà. Et voilà, l'idée, c'est après de recouvrir toute la surface de notre terrasse comme ça. Allez, let's go. Hop. Ok. Et bien voilà. On va rajouter quelques petites touches de verdure dans cette maison. On va prendre des feuilles. On va prendre... des fougères, des grandes fougères. Où sont les grandes fougères? Ici. On va prendre aussi des blocs lumineux. On peut prendre de la glowstone. Comment on appelle ça en français? Je sais toujours pas. Des pierres lumineuses, par exemple. Ou alors des lanternes de la mer. Voilà, des blocs lumineux. Et on va venir... prendre quoi d'autre? De l'herbe classique? De l'herbe classique. Allez. On va venir derrière l'escalier ici, comme ça on va creuser sur, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de large. Comme ça, hop. Et on va venir creuser d'un bloc même dans le sol. Ok. Pour pouvoir mettre un petit jardin, on va dire, un pseudo jardin, en dessous de notre escalier. Hop, comme ça. Et l'idée des pierres lumineuses, c'est qu'on va venir en mettre, voilà, dans le sol ici, comme ça. Et de rajouter une ligne de feuilles par-dessus, pour que ça se voit pas trop. Et au niveau du centre, on mettra de l'herbe. Voilà, assez classique. Comme ça, voilà, ça nous fait à la fois de la lumière, une petite touche de verdure, c'est sympathique. Alors ici, sur le côté, on va venir rajouter des feuilles, comme ça. Alors, on va peut-être les espacer de deux blocs. Non, les espacer d'un bloc, comme on avait fait, très bien. Hop, comme ça. Et on va venir faire un espèce de petit...
Je sais pas comment ça se... Comment on appelle ce genre de choses d'ailleurs. J'ai vu ça sur une photo d'une maison qui existait vraiment. Et j'ai trouvé ça sympa, je l'ai voulu la reproduire. Mais je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de... De feuilles posées de cette façon, voilà, je ne sais pas comment on dit. Navré. Alors, une fois qu'on a ça, on commence vraiment à voir les choses avancer. Ça, c'est cool. Donc, on va faire le premier étage, enfin le rez-de-chaussée. On va venir creuser des portes à ce niveau-là. Ici, vous voyez, vous avez le milieu. On va venir creuser des portes ici, comme ça, comme on avait fait avant. Donc, tiens, d'abord, on va refaire le sol ici, comme ça. Et on va réutiliser, hop, les vitres. Comme ça, pareil, donc les portes, vous en avez déjà fait pas mal, on va en faire ici comme ça, très bien. Alors ici, on va faire une ouverture comme ça sur 3 blocs de large, sur 4 de long, pour pouvoir mettre des vitres. Et l'idée, c'est qu'on va reprendre un peu le même pattern de fenêtre que ce qu'on avait au niveau du dessus, donc sur notre maison là, vous voyez. On va reprendre des espèces de petits chapiteaux au-dessus des fenêtres, ainsi que des dalles en dessous, mais on va faire ça avec des dalles de roche lisse, ok, comme ça. Peut-être avec du quartz, possiblement, ça peut être intéressant, je ne sais pas. Vous voyez, on va faire ça comme ça. Ici, on va faire des portes, ok. Ici, on va faire, alors, l'idée, ce serait d'être aligné avec les fenêtres qu'il y a au-dessus. Au-dessus, on a des fenêtres de 5 blocs de large et on va venir faire pareil en dessous. Ok, donc avec des vitres en plein milieu, bien sûr. Allez, je fais ça rapido. Hop. Et des dalles comme ça. Ok. Et donc voilà, ça va être notre pattern de base pour faire toutes les fenêtres. C'est-à-dire s'aligner avec les fenêtres au-dessus d'elles. D'accord? Ici comme ça, ici pareil, on mettra des fenêtres de la même largeur, à la même place, vraiment alignées avec les fenêtres au-dessus. Et on mettra sur le bas des fenêtres des lignes de dalles de roche lisse et sur le dessus un espèce de chapiteau. Je sais pas, j'ai pas d'autre meilleur mot que chapiteau pour désigner ce truc-là. Espèce de toit de fenêtre. Pour pouvoir en dalle lisse. En dalle de roche lisse à chaque fois aussi. Ok. Et donc on fera ça absolument partout. Allez, on fait ça rapidement. Donc, 5 blocs de large ici. Attends, ça s'est passé de combien de blocs? 3 blocs, ok. Allez, on fait ça et on va faire ça sur tout le pourtour de la maison. Ok, donc là on a 5 blocs. Ici comme ça, ok, très bien. On fera une fenêtre ici. Ici on va faire des portes. Ok. Comme ça. Ok. Ici, alors faudra regarder par rapport au dessus. Donc ici il y a des portes, donc 5 blocs de large pour faire quelque chose de... Ah pareil, mais je sais pas partir de... partir d'où. C'est les catastrophes. Donc alors attends. Comme ça moi je peux me... Youp. Ok, très bien. Voilà. Comme ça, ça permet de savoir où on est. C'est pas très orthodoxe comme méthode, mais enfin. Hop. Ici, on s'aligne. On s'aligne avec le bout. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Etc, etc. Vous avez compris l'idée. Et on va faire ça sur tout le tour de la maison. Allez, hop. Oui, j'ai oublié de préciser. On va mettre des portes ici aussi, bien sûr. Donc, pareil que ce qu'on avait mis au-dessus. Et on va mettre des portes aussi, hop, en dessous ici, là, vous voyez. Donc, on va garder la partie du milieu. Hop, on enlève les blocs en terre en dessous. Et voilà, ok. Pareil. Sinon, voilà, les fenêtres, maintenant, on peut les faire tranquillou. Hop. Ok. Hop. Je pense que on est pas mal avancé au niveau de la maison maintenant finalement. Alors on va venir utiliser les plaques de pression en pierre que l'on va venir utiliser pour faire un petit chemin, vous voyez, comme ici là. Et on va mettre des lampadaires d'ailleurs en diorite qu'on mettra aussi au niveau de l'atterrage du premier étage, comme ça c'est cool.
Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. On va venir ici et on va pas hésiter d'ailleurs à utiliser des lanternes. Je vais utiliser beaucoup de lanternes pour cette maison-là pour éclairer parce que c'est vrai que sinon on n'y voit rien. Normalement, même à l'intérieur, là, vous voyez, c'est très très sombre. Donc il faudrait mettre pas mal de lanternes. Dans mon idée d'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais si vous faites ça en survival, cette maison-là en survie, l'idée c'est que le premier étage, en tout cas le sous-sol ici, c'est pas le sous-sol, c'est le premier étage, le rez-de-chaussée, soit le lieu pour pouvoir mettre les coffres, pour pouvoir mettre tout ce qui est utile au jeu, vous voyez, vraiment pratique. Et toute la partie au-dessus de la maison est juste là pour faire joli finalement, avec peut-être la chambre, peut-être des choses comme ça, mais vraiment toutes les parties utiles au niveau du rez-de-chaussée et les parties jolies au-dessus, avec vraiment des décorations et tout et tout. Après vous faites comme vous voulez, hein, évidemment, c'est juste des suggestions. Ici du coup on va venir mettre au sol des plaques de pression en pierre et on va venir les mettre comme ça, voilà, devant les portes. On va venir faire des carrés comme ça avec un bloc d'espace entre chaque et on va venir voilà faire quelque chose comme ça par exemple. À partir de l'un de ces blocs là, celui que vous voulez, on va pouvoir mettre ça comme ça. Et le truc qui est bien, c'est que voilà, il y a juste un bloc avant le reste de la terrasse, du coup ça match super bien. Ici on peut aller dans l'autre sens pour pouvoir sortir, on va dire, le petit chemin qui vous permettra de sortir de vos parcelles. Souvent sur les serveurs ou sur les villes, dans les villes, eh bien chaque joueur a sa propre parcelle. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié, j'ai pas mon skin, je suis pas connecté. Chaque joueur a sa propre parcelle et du coup vous avez juste besoin de faire un petit chemin pour sortir de votre parcelle. Bref, une fois qu'on a ça, on va utiliser de la diorite, des murets en diorite que l'on va venir mettre à côté de notre chemin. Voilà, on va mettre 5 blocs de hauteur de murets en diorite, un petit muret sur le côté et une lanterne juste comme ça. Voilà, c'est cool. On va les séparer de peut-être 6 blocs chaque. 5, 7, 6, 7 blocs. 6 blocs, j'ai mis. Voilà. Ça rajoute un petit peu de décor et en même temps de la lumière. Donc c'est doublement gagnant. Au niveau de la terrasse, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir mettre ces lampadaires en face des poutres ici. En face des piliers, pardon. Donc on va au niveau de la base d'un pilier. On compte 2 blocs par devant et on rajoute notre lampadaire. Ok. Donc voilà, pareil, on en mettra un ici, un ici, un ici, un là, un là. Et ici, ça sera un petit peu différent. Parce que il va y avoir un préau que l'on va mettre, que l'on va faire. On va le faire tout de suite d'ailleurs, le préau. Comme ça, au moins, ça sera bon. Je vous propose d'utiliser des barrières en chêne ainsi que les dalles en sapin ainsi que les blocs de verre. Ok, on va venir utiliser les dalles en sapin à partir de ce bloc là. On va compter, je ne sais plus d'ailleurs, 3, 4, 5, 6 blocs peut-être, 6 blocs par devant. Hop, on va venir entourer complètement ici la partie de la maison, d'accord. À partir de là, on va prendre sur les côtés, hop comme ça, on va mettre juste des dalles en diagonale comme ça, d'accord. La même chose de l'autre côté. Voilà. Ah. Ok, voilà. Comment on doit s'y prendre. Et une fois qu'on a fait ça, on va prendre nos blocs de verre et on va venir les mettre ici comme ça pour pouvoir avoir un espèce de préau. Ouais, non, c'est mieux si on fait ça comme ça.
un peu, hop, comme ça. Voilà. Voilà. Bon. Voilà, donc si ça passe, ça passe, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre nos barrières en chaîne et on va venir mettre des piliers en dessous, ici. Hop, voilà. Hop. Et on peut rajouter un en plein milieu d'ailleurs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 donc 7. 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pour le milieu. Ok. Voilà. La petite terrasse qui va bien. Et sur le côté du coup ici, on était en train de mettre les lampadaires. 3, 4, 5, paf. On peut mettre des lampadaires ici, comme ça, à côté de nos piliers de préau. Vous voyez, un ici aussi par exemple. On est à combien? On a 5 blocs, ok, très bien. Et puis après ça sera bon. On peut utiliser les petites lanternes. Hop, hop, ok. Bon bah c'est pas mal. Alors qu'est-ce qui nous manque d'ailleurs? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Bon, j'ai pas mis des vitres à toutes les fenêtres du premier étage, mais c'est techniquement bon. Qu'est-ce qui nous manque? Je crois que c'est bon, hein. Alors évidemment j'ai pas fait tous les... j'ai pas fait tous les... tous les toits avec la mosaïque, mais voilà, il faudra le faire aussi, bien sûr. Et puis voilà, paf, j'ai remis les shaders pour revoir un petit peu la décoration d'intérieur, hein, comme on avait dit. Alors, au niveau de la déco, vous voyez, j'ai quand même pas mal, j'ai quand même pas mal utilisé de lanternes, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu sombre sinon. Des chaînes pour pouvoir faire un espèce de petit lustre, du coup fait en muret de grès et en dalles de grès, comme ça, vous voyez, avec des lanternes à chaque bout. Vous voyez, en en mettant un ici et ici au-dessus d'une table. La table est très simple en elle-même, hein, des barrières en chaîne avec des trappes, des plaques de pression par-dessus. Et le truc pour gagner encore plus en luminosité, c'est d'utiliser de rien mettre en plein milieu. En gros, vous voyez, vous avez juste des barrières qui sont de 3 blocs de large, les barrières qui se continuent sur chaque côté, et en plein milieu, vous avez rien du tout. Donc l'idée, c'est que j'ai mis des lanternes dans le creux en plein milieu, et on recouvre tout ça avec des trappes. Comme ça, ça se voit pas, et ça nous fait une table un petit peu stylée, vous voyez, avec différentes hauteurs sur la table, et les lanternes ne se voient pas du tout. Du coup, ça c'est cool. Vous voyez, elle est vraiment bien cette salle, moi j'aime bien. Voilà, les petits tapis classiques sans prétention, de petites couleurs, assez sombres pour que ça ne dénote pas trop de la pièce, sur le reste de la pièce. Le petit côté sympa du tapis, c'est qu'il est exactement aussi large que la table. Vous voyez, là on est aligné avec le reste des sièges. Là aussi, les sièges eux-mêmes, petite astuce, c'est d'utiliser des escaliers de la couleur que vous voulez avec des portes par derrière. Vous voyez, et donc ça nous fait des sièges un petit peu plus relevés, un peu plus sympas. Voilà, quelques bibliothèques en dessous des fenêtres. Bon. Des trappes en chaîne au-dessus des fenêtres ici, pourquoi pas, comme à l'extérieur, histoire de donner un petit peu plus de détails. Voilà, des pots de fleurs avec des cactus et des herbes, de l'herbe, pas de l'herbe du tout, des feuilles, voilà, par-dessus pour donner un petit côté de plante, voilà, je trouve, un petit peu de plante. Et ici derrière, vous voyez, sur la partie... qui est surélevé, enfin comment dire, la partie qui est dans le vide finalement, hein, de la maison, en face de ces grandes grandes fenêtres là qui donnent sur la forêt. Ça c'est cool, avoir notre petit coin. Ah, alors du coup oui, j'avais mis de la neige ici comme ça pour faire l'assise du canapé, mais évidemment avec une lanterne juste à côté, ça fait fondre la neige. On peut utiliser des dalles
pour des dalles en quartz par exemple, pour éviter le problème. Et voilà, en face de ces grandes vitres comme ça, je trouve ça super cool. Pour séparer un peu les espaces entre la partie vraiment salle à manger, on va dire, et la partie ici plus chill, petite armoire, petit meuble, on va dire, avec des bibliothèques comme ça, des petites trappes pour finir un petit peu la forme et des tapis par-dessus, pourquoi pas? Bon après voilà, je vais pas rentrer non plus dans les détails extrêmement longtemps au niveau de la décoration d'intérieur vu que je n'ai décoré que cette pièce, donc il faut pas non plus que déconner. On peut utiliser un peu la même chose pour cette pièce ici, parce que franchement ça rend bien. Oubliez pas, évidemment, oubliez pas les escaliers à l'envers à l'intérieur de la du toit, parce que ça rend vraiment très bien, et notamment les mosaïques aussi bien sûr de couleurs à l'intérieur du toit aussi, pour donner plein de petits détails. J'ai mis beaucoup trop de torches, mais bon, c'est pas grave. Et ici, à l'intérieur de la serre, on pourrait mettre assez facilement, voyez, des blocs d'herbe avec des trappes aussi. Pas des bateaux, non, des trappes. Trappes comme ça, trappes pleines. Des blocs d'herbe, par exemple. Comment on va faire ça? On va faire comme ça, par exemple. Hop. Vous voyez, pour pouvoir, avec des trappes sur les côtés pour cacher un petit peu le côté de la, le côté terre des blocs d'herbe. Ok. Voilà. La même chose ici, hein, on rajoute des trappes sur les côtés pour. Hop. Pour cacher la terre, hein, on fera le tour à chaque fois. Et l'idée, on fera l'autre côté aussi. Et l'idée, c'est qu'on pourra ajouter quelques petites plantes. Alors du coup, des trucs qui peuvent pousser, pourquoi pas. Un petit peu de... Bon, on peut rajouter des fleurs, tout simplement, aussi. Mais on peut faire pousser des graines. Il faudra rajouter un peu d'eau aussi, mais... Voilà, des cultures classiques. À ce niveau-là, moi j'ai rajouté des fleurs tout simplement parce que c'est ce que j'ai sous la main, juste directement. Mais voilà. Hop. Et au niveau de notre serre, ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter un espèce de système d'irrigation. J'ai mis beaucoup trop de torches. Hein. Ah, vraiment, c'est la cata. On peut mettre un système d'irrigation par le plafond. Alors, ça, c'est un peu comme dans les serres professionnelles. On a par exemple. Des barres de fer, hop, que l'on peut. Ah non, on peut mettre des chaînes, tiens, ça serait plus plus crédible. Hop, par exemple, une chaîne comme ça qui se met à la verticale, à l'horizontale, pardon, dans ce sens-là. Vous voyez, d'autres chaînes comme ça. Alors c'est pas évident de cliquer dessus. Ah oui, alors du coup, forcément, les chaînes ne se rejoignent pas, ça c'est bien dommage. Mais en gros, voilà, vous avez ce genre de choses là dans les serres professionnelles, et en gros vous avez l'irrigation, le jet d'eau qui vient par au-dessus. Comme ça ils appuient sur un bouton, et hop, vous avez tout l'eau qui tombe partout. On peut faire ça, on peut faire ça. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que la maison vous plaît. Enfin, de toute façon, je pense que si vous êtes arrivé à ce niveau-là de la vidéo, c'est que la maison vous plaît. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir comme type de maison dans les prochains tutoriels. Et sur ce, j'ai toujours pas mon skin, c'est vraiment une catastrophe. Je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine.